صباح الخير عليكم. اليوم جبنا لكم لا فيديو نتاع لا رينوفاسيون د 93 ديال الرحمانية. كنا درنا ديجا من قبل لا فيديو تاعها كيفاش كانت. لهنا كنا مدايرين كان كاين اندريسينغ نحيناه كامل، كان ان بلاكار بليتو افيك ماسونري ريبناه. بار لا سويت اون فوار كومون اون فار ان بو موبل دونتري افيك لي ناسيز اي تو. دونك لي تواليت راهي مكمولة، خص فيها غير لا كوفيت اي لا دوشيت. La salle de bain pareil. Enfin là il y a mazal ma placinage encore les spots, dommage. Mais allez, je vais me chauffer une autre fois avec l'éclairage, c'est un peu sombre. Ce qu'on il y a aussi la porte, tu as le salon qu'on a enlevé. On a exprès, voilà. C'est pour donner un peu de l'espace l'appartement. وتاني تشي بالنا هذاك لو مور تاعنا نتاع لا بيير ديبي لا بورت دونتري دونك انا ترافاي هاد لا بيرسبكتيف. فوالا لو لهنايا الفو بلافون اللي تري سامبل. لهنايا راح تجي بلاصة لو مابل دونتخي، راح تكون فيه اون بارتي بوندري اون اوتر بارتي اسيز افيك بورت شوسور. دخلو لا كوزين. Une fire très simple, toujours dans le même thème des couleurs choisies pour cet appartement. Donc comme vous voyez, là il y a le faux parquet qu'on a choisi, il était très foncé. Donc tout le reste est clair. Que ce soit la faïence ou bien la peinture, à l'exception des portes, les rahikounou dans le même degré. T'as le faux, parquet. Aoudin, la porte-fenêtre. Aoudin, la fenêtre Rjana coulissante. Parce que les vieilles Hijilahnaya. Donc notre cuisine, elle va être en L. Frigo. Un grand plan de travail, la plaque au milieu. Un évier. Le balcon, il faut faire l'installation de la machine à laver. On a revêtu les murs avec des carreaux très discrets. On dirait un revêtement, un enduit de façade extérieure. Le sol, c'est devenu en mosaïque. La porte-fenêtre est à Oudnara, ouvrante, sablée sur une partie. Je me ramouche qu'à être tenir. Elle ouvre maintenant vers l'extérieur.
pour avoir plus d'espace dans la cuisine. Comme je vous dis, nous avons la traverse. Nous nous trouvons à chaque fois dans les appartements ADL qui empêchent que nous sortions le mât en tiers et tout. Voilà, maintenant donc, on peut faire sortir le mât, dégager l'eau vers avec le siphon. Bien sûr, avec un seuil en marbre. En gris, faire la sortie avec le revêtement extérieur. Le faux plafond de mer plat, simple. C'est une petite cuisine. La cuisine ici, elle ne monte pas jusqu'au haut. La crédence, elle a été créée, elle a été choisie dans le même thème aussi. Donc là, on est dans la couleur faux bois foncé, une faïence, un gris vert très clair, des touches de gris qu'on retrouve un peu partout. Il y en a par exemple, on a travaillé avec la lime parce que par la suite il y aura la table. Donc la table sera dans la perspective de la lime. Voilà. Donc, il y a une réelle gaz apparent. Bien sûr. Près de l'appartement, ma cache chaudière murale. Donc il y aura le chauffage. Il y aura un chauffage. C'est pour ça, comme tu vois, près de le tuyau de gaz, il y aura vers l'emplacement du chauffage qui sera là. Donc on arrive à la chambre des filles. Il y aura un dressing ici par la suite. Deux lits. La couleur pour les filles, c'est pas un rose mais un rosé. C'est-à-dire un rose qui est mélangé avec du ocre. Donc rose et beige, voilà. Une très belle couleur qui est très tendance aussi. Bien sûr, là, il y a toujours avec Jotan. Les peintures sont de chez Jotan. C'est du mat, du rich mat toujours. Donc, maintenant, à chaque fois, c'est la gamme supérieure, tu as le mat. La chambre des parents. Donc, c'est pas un blanc. C'est un blanc, c'est plutôt, il vire un petit peu vers un gris, vers l'ocre aussi. On le voit là, derrière. La différence, on la voit avec le faux plafond. Kimara, comme tu vois, là, derrière, les chambres, on n'a pas mis de faux plafond. On a préféré garder la hauteur parce que là, c'est une dalle pleine, donc on n'a pas de poutre. Zélo les portes tout à l'heure. Ils arriveront aujourd'hui, Inch'Allah. Voilà. Les spots tennis, nous ne l'a pas encore installé. Donc, comme maintenant, le salon. Donc, on a mis dans la perspective une fosse, plutôt une pierre naturelle, dans le beige. Elle sera en contraste par rapport au sol. Le balcon là, pareil. On a revêtu les murs avec des carreaux. Qui simule un revêtement extérieur. Le sol, il est en mosaïque, en antidérapant bien sûr. Au plafond avec caisson décoratif et LED. Donc là, ça sera l'emplacement de la télé avec une salle à manger là, le sofa sera là,
La table à manger, elle sera là, avec un baillot au fond. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on se voit à l'appartement Wajda. Avec l'éclairage, les spots, les portes, et le reste, la cuisine et le reste de l'équipement. Ben, d'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager si vous aimez notre travail.